Ben Arfa, le meilleur joueur d'El Mundo. Je le dis et je le pense vraiment. Ben Arfa est le meilleur joueur du monde. Et tu vas rien dire. Et tu vas rien faire. Range ton cri-cri. Range ton Messi. Range ton M pas prêt. C'est Ben Arfa qui contrôle tout. Je Ben Arfa. Nous Ben Arfa. Il Ben Affleck. Il Ben Affleck. Ben Arfa, je t'aime. Ben Arfa, fais-moi un enfant. Fais-moi un enfant, Ben Arfa, on l'appellera Jésus. On l'appellera Jésus. Fais-moi un enfant, bébé. Je suis en train de me demander comment tu peux vivre sans avoir Ben Arfa dans ton équipe. Comment j'ai pu vivre toutes ces années sans supporter une équipe avec Gatem Ben Arfa dedans? Comment? 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 Oui, Ben Arfa, il est cramé. Ben Arfa, il est gros. Ben Arfa, il va pas réussir. Et Ben Arfa, il faut pas le prendre. Et Ben Arfa, il est là. Il est là, Ben Arfa. Et gna gna gna. Il t'a mis enceinte ce soir, Ben Arfa. Il nous a tous mis enceinte. Merci, Ben Arfa, pour les 3 points, parce que ça n'a pas été facile. On a touché plus de fois les poteaux que Claude de Koh-Lanta. Sérieux, je comprends pas. Sur une seule frappe, on arrive à faire 2 fois le poteau. Avec le ballon qui longe la ligne. Je croyais que ça pouvait arriver que sur FIFA. Quel dommage pour Mehdi Zarkan, l'enfant prodige du foot français, meilleur que Kakré. Quel dommage. Il monte en puissance de match en match, le petit Mehdi. Continue comme ça, garçon. Mehdi, je t'aime aussi. Oh, t'es un petit peu jeune pour me faire un enfant, mais ça ne saurait tarder. Et en plus de ça, on n'a pas pris de but. Le Stade Brestois qui a soulevé il y a pas longtemps le LOSC. Et qui aujourd'hui n'a pas réussi à soulever, ne serait-ce qu'une seule fois, Benoît Costil. De toute façon, le seul mec qui peut marquer un but à Benoît Costil en ce moment, il faut qu'il ait la technique de Maradona, la puissance de Roberto Carlos, alliée à la précision de Juninho. Autrement dit, c'est pas de mal avec qu'on va se prendre un but. Mais ça va, je sais qu'on a pris des buts à Paris, mais tu vas pas me faire chier là, hein? On s'en fout là, c'est pas le sujet, là c'était dans une autre époque, une autre dimension, notre. On s'en fiche. Paul Baïs, je ne sais pas si tu as rencontré la Vierge cet été, mais depuis septembre, tu es un autre homme. Tu en as retrouvé le Paul Baïs de Nice partout à Tisse. Il est incroyable, incrédibilé. Incrédibilé! En fait, le seul truc qui m'inquiète ce soir, c'est la finition. Par exemple, Wang. Bon, Wang, il a couru. Wang, il a fait la différence. Sauf que Wang, il a pas de pied. Non, parce que c'est un truc de fou. Il lui manque des pieds, ce garçon. Il court sous ses tibias, c'est pas possible. Comment tu peux faire un contrôle zidanesque et enchaîner avec une frappe aussi éclatée? Comment? Comment? Mais comment? Avec Cheikh Diabaté, c'était l'inverse. On savait jamais comment il allait contrôler ses ballons, mais au moins avec lui, ça finissait au fond. Je veux savoir si je dois t'idolâtrer ou si je dois t'insulter, en fait. Moi, comment tu veux que je fasse? Comment on peut travailler? Comment vous voulez-vous travailler dans de telles conditions? Hein? Les mecs, on sait pas s'ils sont bons, s'ils sont pas bons, si un jour ils sont bons et un jour ils sont bons. Moi, je sais plus. Donc, soit t'es bon, soit t'es nul, mais tu me fais savoir très rapidement, s'il te plaît, merci. Parce que Depréville, lui, au moins, il a choisi son camp. Nicolas de Loinville. Mais de très 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 loin. Monsieur Jean-Louis Gasset, je sais pas, tu sors Wang parce qu'il avait pas au fond, t'as cru que c'était en faisant rentrer Depréville que ça allait rentrer? Je sais pas, moi faut m'expliquer. Jimmy Briand, bon au moins il sert de point d'appui pour fixer la défense. Mais Monsieur Gasset, Depréville... Non. Ah, je te comprends, t'as pas entendu. Non. 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 Faites entrer Maxime Pouget, ok. Briand, votre Labrador. Faites-vous rentrer vous-même si vous voulez. Mais Depréville, non. Non. Is it not possible? Bon, sinon j'ai envie de dire que Benito est nul, qu'il ne sait faire que des passes en arrière, qu'il ne tient pas debout, qu'il loupe facile un dégagement sur deux. Et bon, si je le dis, on va dire que je suis mauvais, alors Eh ben je le dis. T'es nul. En tout cas, la victoire, elle fait du bien à tout le monde, hein, et elle confirme une seule chose. Bordeaux joue la Coupe d'Europe. Voilà. Y'a quelqu'un qui a à redire, là? Parce que qui sait à quelqu'un qui a à redire, eh ben qui vient me le redire en face. De toute façon, j'ai Ben Arfa dans mon équipe, il peut rien m'arriver. Voilà, il peut m'arriver. Quand tu supportes une équipe avec Ben Arfa, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive dans la vie? Mais qu'est-ce que tu veux? Quand t'as Ben Arfa dans ton équipe, tu peux commander une loutre au Père Noël, tu vas la recevoir. Ben bien sûr, tu peux tout faire. Par contre, si vous nous faites le coup de tout vendre au mercato d'hiver parce qu'il faut ramener de l'argent dans les caisses de Bibi, là par contre, je casse tout. Je te le dis tout de suite. Alors, je suis un mec sympa, mais je casse tout, ok? Alors je te le dis, je casse tout sinon. D'accord, je casserai tout. Mais je suis sympa, hein. Mais je casse tout. Après, après dans la vie, on connaît, je suis sympa, mais je casserai tout. Mais je suis quelqu'un de sympa. Mais je casse tout. Écoute-moi bien, j'enlève les lunettes pour te parler dans les yeux, in face to face. On va faire un petit sondage. Tu mets un pouce bleu si tu penses que Ben Arfa est en train de redevenir le grand Ben Arfa. Voilà. C'est histoire de savoir pour savoir combien on est en fait. Alors certes, la route est longue, mais en remettant Bordeaux à une place digne de cette grande institution, sachez, messieurs les joueurs, que vous serez fiers de vous. C'est bien, mais ne lâchez pas. Si vous lâchez, je vais passer pour un con là avec cette vidéo. Donc ne lâchez pas. Merci.
Sinon, le week-end prochain, rendez-vous pour un live exceptionnel en direct sur ma chaîne YouTube à 17h. Je serai en direct avec un supporter lillois pour réagir et commenter au match Lille-Bordeaux, si j'arrive à en trouver un, si ça existe. Non, d'ailleurs, non, faut que j'arrête, parce que si je commence comme ça, je vais jamais en trouver. Alors surtout, activez les notifications pour recevoir les rappels, les notifications, etc. Et... mangez les chocolatines, ok? Allez, c'est bon, je vous laisse, vous allez gaver. Ciao, bye, et allez Bordeaux.